Eh mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, mais faut croire que quand même on est revenu en force. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Notre but dans cette vidéo, c'est de jouer en full skill, en gros utiliser que des compétences trop compliquées et les avoir tous au master 600. Ça c'est des max. Du coup, je sais que Godzuma, ça c'est pas du tout skill, donc du coup on va le supprimer. Rumble, on va le garder, mais il est pas max, donc du coup on va le monter max. Kabusha, ça fait partie des plus skills. La Darkblade, elle est déjà au max, mais j'aime pas, je veux pas la garder, la Darkblade. Je pense que je vais plutôt choisir un autre sword comme la Sichui. Voilà. La Sichui, ouais, elle est trop recommandée comme parmi les swords les plus skills parce qu'elle est super méga compliquée pour placer les attaques. Voilà. Il faut savoir viser et il faut savoir, je sais pas aussi. Donc pour l'instant, on va changer que le Godzuma. Ouais. Allez, let's go. On va commencer déjà par notre première étape qui est de changer cette fameuse style de combat. Le Godzuma, on va prendre le Super Humain, l'une des arts martiaux les plus révolues dans le skill. Voilà. Et on va devoir monter notre fameuse fruit de Rumble. Voilà, Master 600, parce que là, on ne l'a que à 525. C'est pas bon pour les affaires. Et le Kabusha, wesh, elle est que à moitié. Voilà. Mais pour l'instant, pour pouvoir monter vite les Mastery, je pense que on aura besoin de changer de race, malheureusement. On va aller d'abord au deuxième monde pour prendre la race la plus utile. Donc là, on va au port, on va se déporter ici, on va aller au deuxième monde. Ça va être un peu compliqué. Allez, on y va au deuxième monde. On va aller au labo pour pouvoir prendre la race cyborg, ce qui nous permettra de pouvoir farm très vite. Allez hop. Oula, j'arrive pas à la prendre. En plus, je vais gaspiller environ 2500 fragments. Bon, on en a pas mal des fragments. Let's go. Maintenant, on ressemble à rien. Enfin, c'est très nul. Je pense que je vais aussi changer. Est-ce qu'on peut mettre un accessoire qui nous permet de cacher notre visage? Parce que là, c'est super moche, en fait. Ah oui, il y a celle-là. Ça cache quoi? Ça cache rien, en fait. C'est super nul, en fait. Je pense que là, ça gâche, en fait. Ça gâche le skin. Ouais, ça gâche trop le skin. Ah, ça passe, en fait. Je pense que l'idéal, ça serait carrément de modifier notre skin. Parce que là, il est extrêmement très moche. On va modifier nos skins et on se retrouve juste après. A few minutes later. Ok, ah bah là finalement, j'ai fini par trouver un truc. En plus, j'ai passé quand même 30 minutes juste pour faire un skin dégueulasse. Bon, le but c'est juste que je voulais pas avoir le masque qui était devant mes yeux là, ça me faisait un peu moche. Du coup, j'ai fait un skin bancal. Si vous avez des idées de skin, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. J'avoue, je suis preneur et je vais les tester dans une prochaine vidéo. On va aller au troisième monde pour pouvoir enfin pouvoir commencer notre fameuse quête de farming. Ok, ah bah nous voici, enfin on va arriver au troisième monde. J'avoue, j'ai mis un peu de temps, mais on va aller dans l'île spéciale qui permet de farm rapidement. Je pense que c'est ici. Ça fait quand même très longtemps que je suis pas venu dans cette île. Franchement, bon, je ne suis pas freezer normalement, mais je pense que si je me mets en V4, je pourrais avoir maximum blood fruit et au maximum les guns. Comme ça, je peux farm les deux. Vu que c'est les deux que je suis là. Allez, on va attaquer directement avec la sorbe, ça sera plus rapide, comme ça. Il faut quand même pas que je meure parce que si je meurs, je perds mes 30 millions de bounty qui sont toutes ici. 12 seconds later. Je suis mort, non, je suis mort, je voulais pas mourir, je suis mort et j'ai perdu mes misérables 30 millions de bounty, je suis à 29,9999. Bref, je suis quand même assez déçu en fait que je suis mort à cause des mobs. Ah, j'ai trop la haine là. Le fait que je suis mort en plus, le truc de V4, elle est revenue à zéro. Alors que toute cette ligne là, elle sera à 100% et voilà. Ah, les mobs, ils font trop de dégâts, ça me saoule. Ils font trop de dégâts en plus. Je vais bientôt mourir là, si je continue encore à faire ça. Ah, enfin je peux activer la V4, vie fort. C'est où, Paja? J'ai oublié la touche, j'ai oublié la touche. C'était, je crois. Non, j'ai oublié la touche, non. J'ai oublié la touche pour activer la V4. J'ai oublié, c'est F? Non, c'était, c'est Y. Ah, c'est Y. Oh, ça c'est génial tout ça. Ah ben attends, enfin. Ah, enfin les choses commencent un peu à devenir intéressantes. Bon, maintenant, on va farm rapidement tout ça. On va quand même prendre la quête. Ne jamais abandonner les quêtes, c'est important. Mais on va faire tous les mobs de la map. Parfait. Bon, par contre, on en a quand même pour longtemps parce que là, je suis à 528. Ça va être quand même assez long. Très très long juste pour farm tout ça. Allez, hop là. Oh, ça fait quand même beaucoup de farm comme ça. C'est trop long. Mode speed up.
vu qu'on doit farm le fruit et la gun, bah autant farm les deux en même temps. Plus simple que ça, y a pas à faire. Oups, je les ai tous tués avec le gun. Enfin, avec la gnette. Je les ai tous tués avec le super humain. Alors que ça me servait à rien de les tuer avec le super humain. Ah, la dinguerie. Wow. Et là, je vais faire ces mobs-là. Hey, dernière mastery. Autant que je tue d'abord les mobs. Boum. Waouh, master 600. Bon, pour l'instant le rumble il a master 600, mais il reste aussi le gun. Donc du coup ça va être quand même assez compliqué de faire pour le gun. Là il en est que à 360 degrés. Waouh, quelle coïncidence. Waouh. Ça c'est super chaud. Allez hop, et hop, on esquive à droite et à gauche. Et bam, tous ils sont morts d'un coup. Il en reste une. Ah non, finalement je les ai tous tués. Bon, on continue quand même. Quand même, farm les guns, c'est super long. C'est super long de farm les guns. C'est pour ça que il faut toujours cette technique. Non. Oh si, ça finalement ça a marché. Bon, lui il s'est ramené. Je l'ai même pas invité. Comme ça, parfait. On va tous les tuer d'un coup. Par contre, ils font gravement mal. Ça, c'est un truc de fou, ça. Un petit attaque comme ça qu'on va lâcher. Et là, on attend tous qu'ils viennent tous au milieu. Allez, rassemblement. Et là, on frappe. Bam. Et ils meurent tous. Ah, sauf deux, les plus vaillants. Mais finalement, ils sont morts. Yes. Non, je les ai tués avec le fruit. J'ai trop la mort. Bon, il me reste quand même 6 masteries à faire, mais quand même. A chaque fois j'oublie et je les tue tout le temps avec les autres attaques. Tous les attaques sauf le gun. Bon. Et hop là. Et c'est comme ça qu'on attaque tout le monde en même temps. Bon, je pense que celle-là, je peux arriver à le faire. Parfait. Bon, non, il n'était pas parfait. Il n'était pas parfait du tout. Hein. Vas-y, on va frapper avec les clics. Oh, 599. Ok, dernière attaque, 600. J'ai terminé la quête, j'ai arrivé à 600. La V4, elle était presque en train de finir. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour dire que c'est nickel. Bref, maintenant qu'on a eu nos 4 stuff mastery 600, voilà, ce qui est fait est fait, on va profiter pour aller PVP. Ce qui est quand même incroyable, c'est que je suis mort à cause des mobs et à cause de ça, j'ai 29,9. Là, l'objectif, ça va être quand même de monter notre bounty à 30 millions. Voilà, au moins, on a un objectif à faire. Et on verra un peu ce que je pourrais faire avec ce stuff. Voilà. Alors, nous voilà arrivés en serveur public. En serveur public, il n'y a pas grand chose à faire. Je pense qu'on va d'abord se téléporter. Par contre, je ne suis pas là pour les mobs. Ok, on va se téléporter là où il y a quelqu'un. Je pense qu'on va se téléporter à Castle of the Sea. Tout ce que je trouve, je tue. Je tue tout ce que je trouve. Alors, tout le monde est en safe zone. C'est pas bon pour les affaires. Pour l'instant, on n'a pas encore été reconnu. Normalement, la plupart des gens aiment d'abord voir mon skin avant de me reconnaître. Mais certains me reconnaissent qu'avec le nom. Ah, il y a un gars qui est là-bas. En plus, il est level max comme moi. 2550. Il a la race la plus rapide. Bon, on va essayer de le choper avant qu'il se tp. Non ! Il a quitté le jeu ! Wesh ! Il a quitté le jeu ! Il a Alt-F4 direct, il s'est même pas TP, hein. Non, parce que quand tu TP, au moins il y a le truc jaune en toi avec les secondes. C'est vraiment une blague en fait. Bon, on va changer de serveur dans ce cas-là, parce que le gars il a vraiment quitté le jeu, il m'a mis le seum. Nouveau serveur, j'espère juste qu'ici il y a des gens qui se battent. Ah bah oui, il y a des gens qui se battent et je risque de mourir.
Bon, peut-être il y a moyen que j'y laisse ma peau, mais on va tester. On va d'abord tuer celui qui est là. Il est où? Allez, hop! Les Bounty! Non, ne t'échappe pas! Non, 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 non! Il est rentré là-bas. Oh shit! Oups! Je me suis fait choper! Ils en avaient 4! Oh la dinguerie! Non, ouais! Fuck! Il était en V4! J'ai trop de seum! Pourquoi j'ai pas en V4? J'aurai ma V4, vous allez voir. J'aurai ma V4. Damn! Je suis die! Bruh! Je suis mort encore! En plus, j'utilise même pas d'accessoires! Wow! Wesh! Deux grosses boules! Wake up to reality! Hola! Allez, hop là, c'est parti, à la ramasse. Oh oh, toi t'es mort, toi c'est sûr t'es mort. Et hop là, et on passe. J'ai touché pas mes 30 millions. Oh, il fait trop de dégâts ces gars, un truc de fou. Oh oh! Faut que je le tire avant que quelqu'un d'autre le tue, ce gars là-bas. Et let's go! Parfait! Ah, il m'a mis son plus grand combo là! Il m'a mis son plus beau combo! Oh, je l'ai pris à plein feu. Oh oh, pourquoi tu t'es arrêté? Non! Ça part vraiment cacahuète partout. Lui là-bas, je vais le prendre. Oh shit, t'as réussi à survivre? J'y crois pas. Oh! Ah mais j'ai 30 millions. J'avais même pas marqué. Par contre, ma V4 elle va jamais se barrer. Tout simplement parce qu'il veut jamais me lâcher. Pas absolument qu'à un moment donné en fait il me lâche hein. Sinon ma V4 elle va jamais se barrer hein. La grosse boule il va faire son taf. Et c'est parti, et il est mort. Let's go, parfait. Bon, faut que je me mette en safe zone. Voilà, à présent faut croire quand même qu'il s'en est passé des choses. Mes Bounty ont diminué jusqu'à 29,8. Maintenant ils sont remontés à 30 millions parce que je me suis fait buter pas mal de fois. La race que j'ai, c'est pas une race que j'ai l'habitude de l'utiliser. Mis à part ça, franchement j'ai kiffé. Et je pense que quand même, je vais profiter quand même pour pouvoir m'améliorer en PVP parce que mon niveau il est actuellement très très nul. Ça je peux l'avouer, sans vouloir le cacher. Pour l'instant, on va se mettre à faire quelques vidéos de PVP. En fait, je vais essayer de farm des trucs et pouvoir les utiliser une fois qu'ils sont master 600. Sur ce, maintenant on est à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce PVP et me voir me faire buter pas mal de fois. Même si je me suis rattrapé à la fin. Bah avant toute chose, on va d'abord reprendre notre race Angel parce que je sais pas jouer la race Cyborg et on verra combien de chances j'aurai. Comme ça, on pourra finir cette vidéo. Oh shit! One shot! Je pense que c'était splendide de pouvoir one shot une race comme ça. Bon, à ne pas oublier de ne remettre aussi notre skin de base. On va revenir dessus. Allez, maintenant c'est fini la vidéo et yo. Yeah.